Merci à vous, merci Catherine. Merci Catherine d'être là avec nous, et puis d'avoir été dans ces deux films avec moi. Mais surtout il faut redire ça quand même. J'en ai dit un mot tout à l'heure avant La Vie de Château, mais c'est que ce que vous avez. En fait, d'une certaine manière, vous avez inventé mon. On ne va pas dire inventer mon style. Est-ce que. Un peu. C'est une rencontre. Votre rythme a rencontré mon débit de parole. Oui, et donc toujours avant La Vie de Château, parce qu'on ne se connaissait pas, et que vous m'aviez dit un jour, bon, alors oui, je serais ravi de faire le film, mais est-ce que vous n'allez pas trop m'en vouloir quand même, pourquoi non, pas du tout, parce que je parle très vite, peut-être trop vite, et j'essaierai de ralentir, ah, ben, pas du tout, non, et j'avais pas d'idée, moi, vraiment, sur la façon dont... C'est un défaut de famille. Ma sœur aussi parlait très très vite. C'était un défaut de famille. Et François Truffaut avait une théorie là-dessus. Il disait que nous parlions très vite parce que nous étions une famille nombreuse, 4 filles, et qu'il y avait donc une telle concurrence que pour arriver à placer ce que l'on voulait dire, il fallait aller très vite pour prendre la place et se placer entre deux sœurs. Voilà. C'était sa théorie. Oui, à table, vous m'aviez dit. Oui, à table. La première qui parle. Mais il faut bien que quelqu'un arrive à dire tout ce qu'il veut dire, donc il fallait... Dans les westerns, le premier qui tire, a raison. Mais en fait, on vous avait amené cette vitesse-là. C'est plus que cette vitesse. Mais aussi cette précision. C'est pas n'importe quoi. Ah oui, on comprend. C'est pas... Oui, c'est articulé quand même. Oui. Non mais, moi, j'ai eu du mal la première fois, après, quand j'ai dû me faire doubler, parce que ça arrive que... Les choses ne sont pas assez précises, on n'entend pas assez bien. Donc, après le tournage, quelques mois après, une fois que le montage est fait, on fait du doublage. Et parfois, ça m'est arrivé d'avoir une très grande difficulté à me doubler à cause du rythme. Car le rythme qu'on a en parlant, en jouant, c'est une chose. Mais retrouver exactement le même rythme, la même chose après en doublage, des fois, c'était vraiment. Ça m'est arrivé d'avoir vraiment des difficultés. D'ailleurs. Je crois que votre père s'occupait beaucoup du doublage. Oui, mon père faisait beaucoup de doublage. Est-ce que vous en aviez fait avec lui? Oui, j'en ai fait un peu moins que ma sœur, mais j'en ai fait un peu avec lui. Ah oui, d'accord. Oui, oui. Comme il y a des jeunes filles qui faisaient du babysitting pour avoir de l'argent de poche, moi je faisais du doublage le jeudi, oui, quand je n'allais pas à l'école. Ça m'est arrivé plusieurs fois, oui. Oui, alors. J'ai l'émotion, on me coupe la parole. Asseyons-nous. Ah oui. Alors. Ceci dit, ma peur, on ne va pas s'installer parce que le film est long quand même. Hein. Non, mais je. Écoutez, moi, je me demande vraiment, effectivement, quel est mon film préféré des deux, quoi. Ah non, moi, je ne choisirai pas. Moi, je ne peux pas choisir. Ah bon, d'accord. Non. Ok. Mais. Parce que En préparant le deuxième, donc quelques années plus tard, le sauvage, sourdement, je me disais, mais qu'est-ce qui sera différent, qu'est-ce qu'elle peut faire de mieux que ce qu'elle avait fait dans La Vie de Château, et c'est mieux, il n'y a pas à dire c'est mieux, vous avez trouvé autre chose et... Oui, c'est très différent. C'est toujours une femme pressée, une femme qui ne se laisse pas démonter par la moindre difficulté, qui rebondit toujours dès qu'elle peut sur quelque chose, qui fait preuve de charme envers tout le monde, donc qui arrive finalement à ses fins. Et des fois, ce ne sont pas des fins qui seront forcément intéressées pour elle, mais c'est juste pour avancer, pour que les choses se passent bien. C'est comme si elle posait un pied sur une espèce de... vous savez, comme dans les fontaines japonaises, on pose un pied quelque part, puis ailleurs, puis là, et on avance comme ça. Et bon, voilà, c'est un personnage un peu comme ça. Et c'est Jean-Paul Rapteau et Jean-Louis Dabadie qui ont donc écrit ce personnage que moi j'ai adoré jouer. Alors c'est vrai que c'était compliqué, mais ça fait pas partie du film, vraiment. C'est compliqué parce que c'était loin, parce qu'il faisait chaud, parce qu'on court beaucoup, on parle beaucoup. Je dis tout de suite, évidemment, ça court vite. On court pas tout le temps quand même. On court beaucoup quand même. Alors, la fameuse histoire que j'ai déjà racontée ici d'ailleurs l'autre jour, de Yves Montand qui devait vous poursuivre sur le ponton
Il y a eu une course, là. Oui, je me souviens très bien. Catherine, comme je redis toujours ça, l'actrice française la plus rapide sur 100 mètres. Donc, on fait une répétition, et il vient vers moi, Yves, et me dit... Vous ne pourriez pas lui dire quand même de courir un peu moins vite. Je crois que je n'arriverai pas à la rattraper. Et si je ne la rattrape pas, il faut changer la fin. Bon. Et c'est bon. Non, ce sont des très, très beaux souvenirs. Mais oui, moi, je trouve que... Oui. Encore une seconde. Non, je vous en prie, excusez-moi. C'est incroyable. Non, simplement... Non, parce que c'est l'émotion dans laquelle je suis. Mais c'est qu'il y a ça... qui n'est peut-être pas dans la vie de château, mais il y a les émotions. L'émotion qui est... Ça n'est pas uniquement cette courette... Ah oui, mais non, bien sûr. Enfin, mais quand il y a les deux, c'est quand même assez étonnant. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup, par exemple, dans les comédies américaines, c'est que les personnages sont aujourd'hui d'une vivacité, d'une rapidité incroyable. Le débit de parole est le même, ils racontent des choses. C'est des gens qui ont des sentiments l'un pour l'autre, les uns pour les autres, qui se racontent vraiment des choses. Mais tout ça a un rythme, à une vitesse, c'est extraordinaire. Moi, je trouve ça absolument merveilleux, parce que je trouve que ça nous permet d'entendre des choses plus facilement. Parce que curieusement, on écoute, même quand les gens vont vite, on écoute quand même toujours si... Voilà, donc ça a été un film encore comme ça. Maintenant, vous allez voir le film, c'est quand même, j'espère, ce qu'il y a de mieux. C'est difficile de parler vraiment du film avant. Moi, c'est un film qui m'est très précieux parce que c'est vraiment un film qui correspond à, je ne sais pas, une période de ma vie sans doute assez heureuse, assez chaleureuse, assez formidable. Ça se voit dans le film. Oui, et bien que j'ai dû partir quand même 2 mois à l'étranger et laisser ma petite fille, donc ça a été la partie la plus difficile, mais sinon, ça a été vraiment... C'est un souvenir de tournage absolument formidable. Et puis, j'adore le film, donc j'espère que vous aimerez aussi le film ce soir, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Voilà, je vous souhaite de passer une bonne soirée, une belle soirée. Merci infiniment. Merci infiniment, Catherine, d'avoir été avec nous. Merci, Jean-Paul. Alors, nous, Jean-Paul, on continue après-demain. On continue mercredi avec les Marais Blandais. Et samedi prochain, on parlera de ton rapport à la musique, puisqu'on dit à juste titre que tu es un cinéaste musicien, mais on essaiera d'expliquer un peu ce que ça veut dire, avec Stéphane Lerouge. Donc ça sera samedi prochain à 14h30, après la projection du dernier film en date, qui est Belle Famille, puisque vous savez que Jean-Paul Rapneau a fait 8 films. Voilà. Donc, merci infiniment à tous les deux. Bonne projection.